Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto en partenariat avec la boutique Panda Hall. Et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé cette petite parure. Donc il n'y a rien de bien sorcier, c'est du montage bijoux. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment je faisais, donc je me suis dit que c'est le moment ou jamais de te montrer ça en vidéo. Voilà. Et tu vas voir qu'il n'y a rien de sorcier quand t'as les outils qu'il faut. Pas forcément, non, parce que moi c'est des outils bas de gamme et ça fait très bien l'affaire. Donc voici tout le matériel que j'ai utilisé qui provient de la boutique Panda Hall et tu pourras retrouver le lien de chaque article en barre d'infos, ainsi que leur chaîne YouTube et leur outils. J'ai utilisé un connecteur torque, des petits chandeliers, moi j'appelle ça comme ça, des petites perles jade et de la chaîne argentée. Et tout le reste, ça vient de ma réserve personnelle, mais je suis sûre que tu peux trouver ça sur la boutique. Donc il y a deux petits connecteurs torque. Le premier, je vais m'en servir pour faire du simple montage bijoux. Et le deuxième, je vais m'en servir pour faire des pièces en fibre. Et ça, tu verras ça dans une prochaine vidéo. Donc on commence avec le collier. Alors je vais me servir du torque. Une petite estampe argentée. De plusieurs petites breloques, donc moi je suis restée dans la nature parce que c'est ce que j'aime et j'ai des petites feuilles et des plumes. Je vais également utiliser les perles jade comme je l'avais dit, avec les tiges à tête plate qui vont avec. Je vais aussi utiliser des petits bouts de chêne et une perle en acre, une petite pastille. Et au niveau des outils, je vais utiliser une pince avec des bouts ronds pour faire de jolies boucles et une pince à boucles. Pour tout le reste. Et elle sert aussi de pince coupante. Donc maintenant qu'on a le nécessaire, on est parti. Donc je vais commencer par ce qu'il y a de plus chiant, les petites perles. Donc je vais les enfiler dans chaque tige et puis je vais venir faire la boucle. J'ai pas l'habitude de faire mon montage vidéo face à la caméra, donc c'est compliqué. J'aurais pu aussi utiliser ma pince coupante, mais j'avais la flemme de la sortir. Faire ça avec toutes les autres perles. Donc maintenant que j'ai terminé tout le montage de mes petites perles, on va passer à la suite, bien évidemment. Et je vais venir positionner chaque élément de façon à savoir comment je vais positionner tout ça. Parce que pour l'instant, je savais pas exactement. Donc on va voir ça. Voilà. Ah, j'avais oublié dans la liste du matériel, mais on va aussi avoir besoin de plein de petits anneaux. Bah oui. Sinon, comment on fait pour accrocher tout ça? Et une fois que ça me convient, eh bien, je viens passer au montage avec plein de petits anneaux. Voilà. Donc j'ai utilisé des anneaux de 5 mm. En tout, j'ai utilisé 8 petites perles. Pour la chaîne, je verrai après. Donc pour cette partie de vidéo, ce n'est que du montage, donc je préfère te laisser regarder ça en musique. Ça sera beaucoup plus sympathique. Un petit apostrophe, hein, juste de bien faire attention que chaque élément soit à l'endroit, sinon... C'est ballot ou quoi? Faut recommencer. Très bien s'arrêter à ce stade là parce que ça fait déjà très joli, mais vu qu'il reste des petits trous, des petits anneaux et que je voulais quelque chose de vraiment très chargé, et ben j'ai décidé de rajouter des morceaux de chaîne entre chaque, là où il reste des emplacements vides. Voilà, donc pour ça j'ai utilisé plusieurs chaînes de plusieurs matières, enfin pas des matières mais des formes différentes. Voilà. Alors, il y a certaines chaînes que je vais laisser pendre toutes seules et d'autres que je vais relier les angles. Enfin, regarde les images, ça sera quand même plus clair que mon charabia. Et donc pour ça, je reprends encore mes petites pinces et mes anneaux de 5 mm. Et c'est parti. Mmh.
D'avoir deux côtés qui ne sont pas du tout symétriques ne me dérange pas du tout, bien au contraire, c'est l'effet de ce bijou. Alors j'ai fait une bêtise, mais c'est pas très grave, il y a deux anneaux qui sont vides. Mais ça se voit à peine, donc si je l'avais pas dit, je suis sûre que ça serait même pas vu. On va pouvoir passer encore au montage bijoux, mais cette fois-ci pour le tour du cou. Donc je vais utiliser la chaîne qui vient de la boutique Panda Hall, bien évidemment. Donc j'ai déjà coupé un petit morceau qui fait 22 ou 23 cm, quelque chose comme ça, qui fait la taille de mon tour du cou, parce que c'est un petit collier que je vais garder pour moi, bien évidemment. Et je vais encore utiliser des anneaux de 5 mm et un petit fermoir. Maintenant que le collier est terminé, on va pouvoir passer aux boucles d'oreilles. Donc je vais utiliser les petits connecteurs chandeliers que tu as vu au début de vidéo, ainsi que les petites perles jade que j'ai déjà montées au préalable. Alors je ne l'ai pas précisé, mais j'ai utilisé 10 perles pour les boucles d'oreilles et 8 pour le collier. Et pour tout le reste, ça vient de ma réserve personnelle. Donc j'ai utilisé les mêmes petites perles nacre en pastille, des breloques toujours plumes et feuilles. J'ai également pris des petits connecteurs comme ça, encore de la chaîne, des fermoirs pour les boucles d'oreilles, des petits crochets, des hameçons. On leur donne le nom qu'on veut, on s'en fiche. Et également, pour finir, une vingtaine de petits anneaux. Donc c'est parti, je vais commencer par savoir comment je vais positionner tout ça, une fois que ça me plaît, et bien je passe au montage. Donc voilà, ça me convient comme ça. Alors maintenant, je peux passer au montage. Je commence par la chaîne, comme ça, ça sera fait. Donc je viens relier chaque côté, du côté du connecteur. Donc l'air de rien, c'est quand même une parure qui est assez imposante. Ça va me changer d'habitude. À la deuxième. C'est une parure extrêmement chargée, il y a vraiment énormément de choses, donc on n'est pas obligé de la mettre ensemble, bien au contraire, on peut mettre chaque chose séparément, parce que même si on a une tenue assez sobre, ça reste quand même très imposant. Après, faut aimer ça, voilà. Moi, je sais que je mettrai pas les deux en même temps. Là, c'est juste pour la vidéo que j'ai mis les deux en même temps, sinon, là, pour moi, c'est trop. Trop, c'est trop. Mais séparément, c'est très joli. Donc voilà le résultat, comme tu l'auras vu. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura intéressé, t'aura aidé, t'aura donné des idées. Enfin bref, comme d'habitude, n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs, mais j'espère sincèrement que ça t'aura plu. Et en attendant, eh bien, je te fais tout plein de gros poudous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye.